Bonjour à tous. Alors, cette vidéo com est une première puisque elle est la première à être publique. Donc, on a pensé à m'inscrire dans une association qui est devenue une école de commerce bilingue à Paris. Donc, YouTube et l'URSSAF qui s'occupent de mon dossier ont eu bon de me donner le logo Creative Commons. Avec ce logo Creative Commons, si vous vous abonnez, vous pouvez bénéficier de cette formation dite obligatoire au niveau de l'URSSAF. Voilà pour ceux qui sont en France et dans les autres pays, comme ça à l'international, et que la chaîne est polyglotte, donc ce sera la même formation, puisque j'enseigne également le français. Après, l'usage de lexique dictionnaire est normal. Alors, si la langue d'enseignement est le français, du français à l'hébreu, c'est pareil. De l'arabe à l'hébreu, au français, pardon, c'est pareil. Je vais présenter quelques lexiques et dictionnaires. Bon, les dictionnaires libanais, égyptiens, proche-orientaux traduisent en français et en anglais. Et je pense que ici, il vous sera plus facile de vous procurer Calimètre de poche pour le vocabulaire. On va travailler sur ça. Petit vocabulaire actuel hébreu. On va travailler sur ça aussi. Dictionnaire juridique, Law Dictionary, pour les cours qui seront donnés en français. Donc. Et ensuite, on évoluera vers le vocabulaire dans ces langues-là. Donc c'est pour ça que je vous référence jusque ces termes juridiques appropriés à l'environnement professionnel dans lequel vous allez travailler.